Et voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure. Qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noirôde et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seule en face du monde. Seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire, elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur, Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme. Elle sent qu'elle s'éloigne de nous aussi, qui sommes là, bien tranquilles à la regarder. De nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimon, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Tout le portait vers Ismène. Son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir de bal, où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe, il a été trouvé Antigone, qui rêvait dans un coin comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Antigone a levé sans étonnement ses yeux gras sur lui, et lui a dit oui, avec un petit sourire triste. L'orchestre attaquait une nouvelle danse. Ismène riait aux éclats là-bas, au milieu des autres garçons. Et voilà, maintenant lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Cet homme, robuste, aux cheveux grisonnants, qui médite là, près de son page, c'est Créon, c'est le roi. Il a des rides, il est fatigué, il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant, du temps d'Édipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Édipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets. Il a retroussé ses manches et il a pris leur place. Alors quelquefois le soir, il est fatigué. Il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes, si ce n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres, plus fruste. Et puis, au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre et il se lève tranquille, comme un ouvrier au seuil de sa journée. Créon est seul, seul avec son petit page, qui est trop petit, et qui ne peut rien non plus pour lui. Ce garçon là-bas au fond, qui rêve, adossé au mur, solitaire, c'est le messager. C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimon tout à l'heure. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres. Il sait déjà. Enfin, ces trois hommes qui jouent, ce sont les gardes. Ce ne sont pas de mauvais bougres. Ils ont des femmes, des enfants et des petits ennuis comme tout le monde. Mais ils vous employeront les accuser le plus tranquillement du monde tout à l'heure. Ils sont dépourvus de toute imagination. Ce sont les auxiliaires, toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes, de la justice. Pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Thèbes, dûment mandaté, leur ordonne de l'arrêter à son tour, ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. Et maintenant que vous les connaissez tous,
Ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence au moment où les deux fils d'Édipe, Étéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes un an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Étéocle, l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère. Sept grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les sept portes de Thèbes. Maintenant, la ville est sauvée. Les deux frères ennemis sont morts. Et Créon, le roi, a ordonné qu'à Étéocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Me promener. Nourrice était beau, tout était gris. Maintenant, tu ne peux pas savoir, tout est déjà rose, jaune, vert, c'est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, Nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. Je me lève quand il fait encore noir. Je vais à ta chambre pour voir si tu ne t'es pas découverte en dormant. Et je ne te trouve plus dans ton lit. Le jardin dormait encore, je l'ai surpris, Nourrice. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est beau, un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Tu es sortie. J'étais à la porte du fond, tu l'avais laissé entrebâillée. Dans les champs, c'était tout mouillé. Et cela attendait. Tout attendait. Je faisais un bruit énorme toute seule sur la route. Et j'étais gênée parce que je savais bien que c'était pas moi qu'on attendait. Alors j'ai enlevé mes sandales et je me suis glissée dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. Il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Je ne me recoucherai pas ce matin. À 4 heures. Il n'était pas 4 heures. Je me lève pour voir si elle n'était pas découverte. Je trouve son lit froid et personne dedans. Tu crois que si on se levait comme ça tous les matins, ce serait tous les matins aussi beau, Nourrice, d'être la première fille dehors? La nuit, c'était la nuit. Et tu veux me faire croire que tu as été promenée, menteuse? D'où viens-tu? C'est vrai, c'était encore la nuit. Et il n'y avait que moi, dans toute la campagne, à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, Nourrice.
J'ai cru au jour la première, aujourd'hui. C'est la folle. C'est la folle. Je la connais, la chanson. J'étais fille avant toi. Et pas commode non plus. Mais dure tête comme toi, non. D'où viens-tu, mauvaise? Non, pas mauvaise. Tu avais un rendez-vous, hein? Dis non, peut-être. Oui, j'avais un rendez-vous. Tu as un amoureux? Oui, Norris. Oui, le pauvre. J'ai un amoureux. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille d'un roi. Donnez-vous du mal. Donnez-vous du mal pour les élever, elles sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres, toi. À t'attiffer toujours devant la glace, à te mettre du rouge aux lèvres, à chercher à ce qu'on te remarque. Qui est-ce? Un voyou, hein, peut-être. Un garçon que tu ne peux pas dire à ta famille. Voilà, c'est lui que j'aime, je veux l'épouser. C'est ça. Hein? C'est ça? Réponds donc, fanfaronne. Oui, nourrice. Et elle dit oui. Miséricorde. Je l'ai eue toute gamine. J'ai promis à sa pauvre mère que j'en ferai une honnête fille. Et voilà. Oh, ça ne va pas se passer comme ça, ma petite. Je ne suis que ta nourrice. Et tu me traites comme une vieille bête, bon. Mais ton oncle Créon saura, je te le promets. Oui, nourrice. Mon oncle Créon saura. Laisse-moi maintenant. Et tu verras ce qu'il dira quand il apprendra que tu te lèves la nuit. Et Aimon? Et ton fiancé? Car elle est fiancée. Elle est fiancée et à 4 heures du matin, elle quitte son lit pour aller courir avec un autre. Et ça vous répond qu'on la laisse? Ça voudrait qu'on ne dise rien? Mais tu sais ce que je devrais faire? Te battre, comme lorsque tu étais petite. Nounou, tu ne devrais pas trop crier. Tu ne devrais pas être trop méchante ce matin. Pas crier. Je ne dois pas crier par-dessus le marché. Moi qui avais promis à ta mère. Qu'est-ce qu'elle me dirait, ta mère, si elle était là? Vieille bête. Oui. Vieille bête qui n'a pas su me la garder pure, ma petite. Toujours à crier, à faire le chien de garde. Alors tourner autour avec des lainages pour qu'elles ne prennent pas froid, ou des laits de poule pour les rendre fortes. Mais à 4 heures du matin, tu dors, vieille bête. Tu dors, toi qui ne peux pas fermer l'œil. Et tu les laisses filer, marmotte. Et quand tu arrives, le lit est froid. Voilà ce qu'elle me dira, ta mère, là-haut, quand j'y monterai. Et moi, j'aurai honte. Honte à en mourir s'il n'était pas déjà mort. Je ne pourrais que baisser la tête et répondre. Madame Jocaste. C'est vrai? Non. Norris, ne pleure plus. Tu pourras regarder maman bien en face quand tu auras la retrouvée. Et elle te dira bonjour, nounou. Merci pour la petite Antigone. Tu as bien pris soin d'elle. Elle sait pourquoi je suis sortie ce matin. Tu n'as pas d'amoureux? Non, non. Tu te moques de moi, alors? Oh, tu vois, je suis trop vieille. Tu étais ma préférée, malgré ton sale caractère. Ta sœur était plus douce, et je croyais que c'était toi qui m'aimais. Si tu m'aimais, tu m'aurais dit la vérité. Pourquoi ton lit était-il froid quand je suis venue te border? Nounou, je suis pure. Je n'ai pas d'autre amoureux qu'Aimon, mon fiancé, je te le jure. Je peux même te jurer, si tu veux, que je n'aurai jamais d'autre amoureux. Garde tes larmes. Garde tes larmes. Tu en auras peut-être besoin encore, Nounou. Et quand tu pleures comme cela, je redeviens petite. Et il ne faut pas que je sois petite ce matin. Tu es déjà levée?
Je viens de ta chambre. Oui, je suis déjà levée. Oh, toutes les deux, alors? Toutes les deux, vous allez devenir folle et vous lever avant les servantes. Vous croyez que c'est bon d'être debout le matin, à jeun? Que c'est convenable pour des princesses? Oh, vous n'êtes seulement pas couverte. Oh, vous allez voir que vous allez encore me prendre mal. Laisse-nous, nourrice. Il ne fait pas froid, je t'assure, c'est déjà l'été. Va nous faire du café. Je voudrais bien un peu de café, s'il te plaît, nounou. Cela me ferait du bien. Ma colombe, la tête lui tourne d'être sans rien. Et je suis là, comme une idiote, au lieu de lui donner quelque chose de chaud. Tu es malade? Ce n'est rien, un peu de fatigue. C'est parce que je me suis levée tôt. Moi non plus, je n'ai pas dormi. Il faut que tu dormes, tu serais moins belle demain. Ne te moque pas. Je ne me moque pas. Cela me rassure ce matin que tu sois belle. Quand j'étais petite, j'étais si malheureuse, tu te souviens? Je te barbouillais de terre. Je te mettais des vers dans le cou. Une fois, j'étais attachée à un arbre et je t'ai coupé tes cheveux. Tes beaux cheveux. Comme cela doit être facile de ne pas penser de bêtises, avec toutes ces belles mèches lisses et bien ordonnées autour de la tête. Pourquoi parles-tu d'autre chose? Je ne parle pas d'autre chose. Tu sais, j'ai bien pensé, Antigone. Oui? J'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. Oui. Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Il nous ferait mourir. Bien sûr! À chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Et nous, nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Je ne veux pas mourir. Moi aussi. J'aurais bien voulu ne pas mourir. Écoute. J'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aînée, je réfléchis plus que toi. Il y a des fois, il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone. D'abord, bien sûr, c'est horrible, et j'ai pitié, moi aussi, de mon frère. Mais je comprends un peu notre oncle. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Et moi, je ne suis pas le roi! Chut! Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. Elle fait ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone. La sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Et puis après, on la met dans un coin ou dans un trou, et c'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Allez, allez. Tes sourcils joints, ton regard droit devant toi, et te voilà lancée, sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Essaie de comprendre, au moins. Comprendre? Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche, tous. Depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau, à la belle et fuyante eau froide parce que cela mouille les dalles, à la terre parce que ça tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois, donner tout ce qu'on a dans ses poches aux mendiants qu'on rencontre, courir. Courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre et boire quand on a chaud. Et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard, mais pas juste quand on en a envie. Comprendre! Toujours comprendre! Mais moi, je ne veux pas comprendre! Je comprendrai quand je serai vieille! Si je deviens vieille, pas maintenant! Il est plus fort que nous, Antigone. Il est le roi. Et ils pensent tous comme lui dans la ville. Ils sont des milliers et des milliers autour de nous. Grouillant dans toutes les rues de Thèbes. Je ne t'écoute pas. Ils nous hurleront. Ils nous prendront avec leurs mille bras, leurs mille visages et leur unique regard. Ils nous cracheront à la figure.
Et il faudra avancer dans leur haine, sur la charrette, avec leur odeur et leur rire, jusqu'au supplice. Et souffrir ? Il faudra souffrir. Sentir que la douleur monte, qu'elle est arrivée au point où on ne peut plus la supporter, qu'il faudrait qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue pourtant et monte encore, comme une voix aiguë. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Comme tu as bien tout pensé. Toute la nuit. Pas toi ? Si, bien sûr. Tu sais ? Moi, je ne suis pas très courageuse. Moi non plus. Mais qu'est-ce que cela fait ? Tu n'as donc pas envie de vivre, toi ? Pas envie de vivre. Qui se levait la première le matin, rien que pour sentir l'air froid sur sa peau nue ? Qui se couchait la dernière, seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue pour vivre encore un peu plus la nuit ? Qui pleurait déjà, toute petite, en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans le pré et qu'on ne pouvait pas tous les prendre ? Oh, ma petite sœur ! Ah non, laisse-moi ! Ne me caresse pas ! Ne nous mettons pas à pleurnicher ensemble maintenant ! Tu as bien réfléchi, tu dis. Tu penses que toute la ville hurlante contre toi, tu penses que la peur et la douleur de mourir, c'est assez. Oui. Sers-toi de ces prétextes. Je t'en supplie, Antigone. C'est bon pour les hommes de croire aux idées et de mourir pour elles. Toi, tu es une fille. Une fille, oui. Et je sais pleurer d'être une fille. Ton bonheur est là, devant toi. Et tu n'as qu'à le prendre, tu es fiancée. Tu es jeune, tu es belle. Non, je ne suis pas belle. Pas belle comme nous, mais autrement. Tu sais bien que c'est sur toi que se retournent les petits voyous dans la rue. Que c'est toi que les petites filles regardent passer, soudain muettes, sans pouvoir te quitter des yeux jusqu'à ce que tu aies tourné le coin. Des voyous. Des petites filles. Et mon Antigone ? Je parlerai tout à l'heure à Aimon. Aimon sera tout à l'heure une affaire réglée. Tu es folle. Tu m'as toujours dit que j'étais folle. Pour tout, depuis toujours. Va te recoucher, Ismaël. Il fait jour maintenant, tu vois ? Et de toute façon, je ne pourrai rien faire. Mon frère mort est maintenant entouré d'une garde exactement comme s'il avait réussi à se faire roi. Va te recoucher. Tu es toute pâle de fatigue. Et toi ? Je n'ai pas envie de dormir. Mais je te promets que je ne bougerai pas d'ici avant ton réveil. Nourrice va m'apporter à manger. Va dormir encore. Le soleil se lève seulement. Tu as les yeux tout petits de sommeil. Va. Je te convaincrai, n'est-ce pas ? Je te convaincrai et tu me laisseras te parler encore. Je te laisserai me parler encore, oui. Je vous laisserai tous me parler. Va dormir maintenant, je t'en prie. Tu serais moins belle demain. Pauvre Ismaël.
Tiens, te voilà un bon café, des tartines, mon pigeon. Mange. Je n'ai pas très faim, nourrice. Je te les ai grillées moi-même. Et beurrées comme tu les aimes. Tu es gentille, nounou. Je vais seulement boire un peu. Où as-tu mal? Nulle part, nounou. Mais fais-moi tout de même bien chaud. Comme lorsque j'étais malade. Chose quelque part dans la nuit, plus forte que la nuit elle-même, avec ce hurlement de folle qu'on n'entend pas. Nounou, plus forte que la mort, donne-moi ta main, comme lorsque tu restes à côté de mon lit. Et qu'est-ce que tu as, ma petite colombe? Rien, nounou. Je suis seulement encore un peu petite pour tout cela. Mais il n'y a que toi qui dois le savoir. Trop petite pour quoi, ma mésange? Pour rien, nounou. Et puis tu es là. Je tiens ta bonne main rugueuse qui sauve de tout, toujours. Je le sais bien. Peut-être qu'elle va me sauver encore. Tu es si puissante, nounou. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, ma tourterelle? Rien, nounou. Seulement ta main, comme ça, là, sur ma joue. Voilà, je n'ai plus peur. Ni du méchant ogre, ni du marchand de sable. Ni de Taou-Taou qui passe et emmène les enfants. Et voilà, Aimon. Laisse-nous nourrir. C'est bien que je t'avais pardonné à peine avais-tu claqué la porte. Ton parfum est encore là et je t'avais déjà pardonné. À qui l'avais-tu volé, ce parfum? À Ismaël. Et le rouge à lèvres, la poudre, la belle robe? Aussi. En quel honneur t'étais-tu faite si belle? Je te le dirai. Oh mon chéri, comme j'ai été bête. Tout un soir gaspillé. Un beau soir. Nous aurons d'autres soirs, Antigone. Peut-être pas. Et d'autres disputes aussi. C'est plein de disputes, un bonheur. Un bonheur, oui. Écoutez-moi. Oui. Ne ris pas, ce matin, sois grave. Je suis grave. Et serre-moi. Ni cette grande confiance qui m'inonde quand j'ai la tête au creux de ton cou. Oui, Antigone, je t'aime comme une femme. Mais je suis noire et maigre, Ismène est rose et dorée comme un fruit. Antigone. Je suis rouge de honte.
Mais il faut que je sache ce matin. Dis la vérité, je t'en prie. Quand tu penses que je serai à toi, est-ce que tu sens, au milieu de toi, comme un grand trou qui se creuse, comme quelque chose qui meurt? Oui, Antigone. Moi, je sens comme cela. Et je voulais te dire que j'aurais été très fière d'être ta femme. Ta vraie femme, sur qui tu aurais posé ta main le soir en t'asseyant, sans penser, comme sur une chose bien à toi. Voilà, maintenant, je vais te dire encore deux choses. Et quand je te les aurai dites, il faudra que tu sortes sans me questionner. Même si elles te paraissent extraordinaires, même si elles te font de la peine, jure-le-moi. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Non, jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire, sans même me regarder. Si tu m'aimes, jure-le-moi. Tu vois comme je te le demande. Jure-le-moi, s'il te plaît, mon. C'est la dernière folie que tu auras à me passer. Je te le jure. Merci. Alors voilà. Hier d'abord. Tu me demandais tout à l'heure pourquoi j'étais venue avec une robe d'Ismène, ce parfum, ce rouge à lèvres. J'étais bête. Je n'étais pas très sûre que tu me désires vraiment. Et j'avais fait tout cela pour être un peu plus comme les autres filles. Pour te donner envie de moi. C'était pour cela? Oui. Et tu as ri. Et nous nous sommes disputés. Et mon mauvais caractère a été le plus fort, je me suis sauvée. Mais j'étais venue chez toi pour que tu me prennes hier soir, pour que je sois ta femme avant. Tu m'as juré de ne pas me demander pourquoi tu m'as juré. Je t'en supplie. D'ailleurs, je vais te dire, je voulais être ta femme quand même. Parce que je t'aime comme cela, moi. Très fort, que je vais te faire de la peine. Oh, mon chéri, pardon. Que jamais, jamais je ne pourrai t'épouser. Tu me l'as juré, non. Sors, sors tout de suite. Si tu parles, si tu fais un seul pas vers moi, je me jette par cette fenêtre, je te le jure, Emma. Je te le jure sur la tête du petit garçon que nous avons eu tous les deux en rêve. Du seul petit garçon que j'aurai jamais. Pars maintenant. Pars vite. Tu sauras demain. Tu sauras tout à l'heure. S'il te plaît, mon. C'est tout ce que tu peux faire encore pour moi, si tu m'aimes. Dormir. J'avais peur que tu sortes et que tu tentes de l'enterrer malgré le jour. Antigone, ma petite sœur, nous sommes tous là, autour de toi. Aimons-nous, nous et moi. Nous t'aimons et nous sommes vivants, nous. Nous avons besoin de toi. Polynice est mort et il ne t'aimait pas.
Il a toujours été un étranger pour nous. Un mauvais frère. Oublie-le, Antigone, comme il nous avait oubliés. Laisse son ombre dure errer éternellement sans sépulture, puisque c'est la loi de Créon. Ne tente pas ce qui est au-dessus de tes forces. Tu braves tout, toujours. Mais tu es toute petite, Antigone. N'y va pas cette nuit. Reste avec nous. Je t'en supplie. C'est trop tard. Ce matin, quand tu m'as rencontré, j'en venais. Antigone. Garde, dis-tu, un de ceux qui gardent le cadavre. Fais-le entrer. Garde Jonas de la deuxième compagnie. Qu'est-ce que tu veux ? Voilà, chef. On a tiré au sort pour savoir celui qui viendrait, et le sort est tombé sur moi. Alors voilà, chef, je suis venu parce qu'on a pensé qu'il valait mieux qu'il n'y en ait qu'un qui explique. Et puis, parce qu'on ne pouvait pas abandonner le poste, tous les trois. Qu'as-tu à me dire ? Eh bien voilà, chef. Le cadavre. On a veillé pourtant. On avait la relève de 2 heures, la plus dure. Vous savez ce que c'est au moment où la nuit va finir, ce plomb entre les yeux, la nuque qui tire. Et puis, toutes ces ombres qui bougent et le brouillard du petit matin qui se lève. Ah, ils ont bien choisi leur heure. On était là, on parlait, on battait la semelle. On ne dormait pas, chef. Ça, on peut vous le jurer tous les trois qu'on ne dormait pas. D'ailleurs, avec le froid qu'il faisait. Tout d'un coup, moi, je regarde le cadavre. On était à 2 pas, mais moi, je le regardais tout de même, de temps en temps. Je suis comme ça, moi, chef. Je suis méticuleux. C'est pour ça que mes supérieurs, ils disent avec Jonas... C'est moi qui l'ai vu le premier, chef. Les autres vous le diront, c'est moi qui ai donné l'alarme le premier. L'alarme ? Pourquoi ? Le cadavre, chef. Quelqu'un l'avait recouvert. Oh, pas grand-chose, il n'avait pas eu le temps avec nous à côté. Seulement un peu de terre. Mais suffisamment tout de même pour le cacher au retour. Tu es sûr que ce n'est pas une bête ? En grattant ? Non, chef, on a d'abord espéré ça, nous aussi, mais la terre était jetée sur lui selon les rites. C'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Qui a osé ? Qui a été assez fou pour braver ma loi ? As-tu relevé des traces ? Rien. Rien qu'un pas plus léger qu'un passage d'oiseau. Après, en cherchant mieux, on a trouvé plus loin une pelle. Une petite pelle d'enfant, toute vieille, toute rouillée. On a pensé que ça ne pouvait pas être un enfant qui avait fait le coup. Un enfant ? L'opposition. Brisée, qui s'ouvre, et mine déjà partout. Les amis de Polynice avec Laurent bloqués dans Thèbes. Les chefs de la plèbe, soudainement alliés au prince. Et les prêtres, essayant de pêcher quelque chose au milieu de tout cela. Un enfant. Ils ont dû penser que ce serait plus touchant. Je le vois d'ici, leur enfant, avec sa gueule de tueur à pointer. Et la petite pelle, soigneusement enveloppée dans du papier sous sa veste. Ah, moins qu'il n'ait dressé un vrai enfant, avec des phrases. Une innocence inestimable pour le parti. Un vrai petit garçon pâle, qui crachera devant mes fusils. Un précieux sang bien frais sur mes mains. Double aubaine. Mais ils ont des complices. Et dans ma garde, peut-être ! À qui avez-vous déjà parlé de cette affaire ? À personne, chef. On a tout de suite tiré au sort et je suis venu. Alors écoute bien. Votre garde est doublée. Renvoyez la relève. Voilà l'ordre.
Je ne veux que vous près du cadavre. Et pas un mot. Vous êtes tous coupables d'une négligence. Vous serez punis, de toute façon. Mais si tu parles, si le bruit court dans la ville qu'on a recouvert le cadavre de Polynice, alors vous mourrez, tous les trois. On n'a pas parlé, chef, je vous le jure. Mais moi, j'étais ici. Et peut-être que les autres, ils l'ont déjà dit à l'Arlène. Chef, j'ai deux enfants. Il y en a un qui est tout petit. Vous témoignerez pour moi que j'étais ici, chef, devant le conseil de guerre. J'étais ici, moi, avec vous. J'ai un témoin. Si on a parlé, ce sera les autres, ce sera pas moi. J'ai un témoin, moi. Alors va vite. Si personne ne sait, tu vivras. Un enfant. Tu mourrais, toi, pour moi? Tu crois que tu irais avec ta petite pelle? Ah, bien sûr. Tu irais tout de suite, toi aussi. Un enfant. Et voilà. Maintenant, le ressort est bandé. Cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. C'est cela qui est commode dans la tragédie. On donne le petit coup de pouce pour que cela démarre. Rien. Un regard pendant une seconde à une fille qui passe et lève les bras dans la rue. Une envie d'honneur, un beau matin, comme de quelque chose qui se mange. Une question de trop que l'on se pose un soir, et c'est tout. Et après, on n'a plus qu'à laisser faire. Ça roule tout seul. C'est minutieux, bien huilé, depuis toujours. La mort, la trahison, le désespoir sont là. Tout près, et les éclats, et les orages, et les silences, tous les silences. Le silence quand le bras du bourreau se lève à la fin, le silence au commencement, quand les deux amants sont nus l'un en face de l'autre pour la première fois, sans oser bouger tout de suite dans la chambre sombre. Le silence quand les cris de la foule éclatent autour du vainqueur. Et c'est comme un film dont le son s'est enrayé, toutes ces bouches ouvertes dont il ne sort rien. Toute cette clameur qui n'est qu'une image. Et le vainqueur, déjà vaincu, seul, au milieu de son silence. C'est propre la tragédie. C'est reposant, c'est sûr. Dans le drame, avec ses traîtres, avec ses méchants acharnés, cette innocence persécutée, ses vengeurs, ses terre-neuves, ses lueurs d'espoir, c'est déjà épouvantable de mourir, comme un accident. Et on aurait peut-être pu se sauver. Le bon jeune homme aurait peut-être pu arriver à temps avec les gendarmes. Dans la tragédie, on est tranquille. D'abord, on est entre soi. Et on est tous innocents, en somme. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui tue et l'autre qui est tué. C'est une question de distribution. Et puis surtout, c'est reposant la tragédie. Parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir. Le sale espoir. Qu'on est pris. Qu'on est enfin pris comme un rat. Avec tout le ciel sur son dos, on n'a plus qu'à crier, pas à gémir, pas à se plaindre, non, à gueuler à pleine voix ce qu'on avait à dire, qu'on n'avait jamais dit et qu'on ne savait peut-être même pas encore. Et pour rien, pour se le dire à soi, pour l'apprendre soi. Dans le drame, on se débat parce qu'on espère en sortir, c'est ignoble, c'est utilitaire. Là,
C'est gratuit. C'est pour les rois. Il n'y a plus rien à tenter. Enfin. Alors voilà, cela commence. La petite Antigone est prise. La petite Antigone va pouvoir être elle-même pour la première fois. Allez, allez, pas d'histoire. Je vous expliquerai devant le chef. Moi, je ne connais que la consigne. Ce que vous aviez à faire là, je ne peux pas le savoir. Tout le monde a des excuses. Tout le monde a quelque chose à objecter. S'il fallait écouter les gens, s'il fallait essayer de comprendre, hein, on serait propre. Allez, allez, tenez-la, vous autres. Et pas d'histoire. Moi, ce qu'elle a à dire, je ne peux pas le savoir. Dis-leur de me lâcher avec leurs sales mains, ils font mal. Leurs sales mains. Vous pourriez être poli, mademoiselle. Moi, je suis poli. Dis-leur de me lâcher. Je suis la fille d'Édipe, je suis Antigone, je ne me sauverai pas. La fille d'Édipe, oui. Les putains qu'on ramasse à la garde de nuit, elles disent aussi de se méfier. Quels sont la bonne avis du préfet de police? Je veux bien mourir, mais pas qu'il me touche. Et les cadavres, oui. Et la terre. Ça ne te fait pas peur à toucher? Dis-leur, Salman. Regarde un peu les tiennes. On t'avait pris cet appel? Il a fallu t'en faire avec tes ongles la deuxième fois. Oh, cette audace! Je tourne le dos une seconde, je te demande une chic. Allez, le temps de me la caler dans la joue, le temps de dire merci. Elle était là, à gratter comme une petite hyène. Et en plein jour! Et c'est qu'elle se débattait, cette garce, quand j'ai voulu la prendre. C'est qu'elle voulait me sauter aux yeux. Elle criait qu'il fallait qu'elle finisse. C'est une folle, oui. Je voudrais m'asseoir un peu. S'il vous plaît. C'est bon qu'elle s'asseye. Mais n'arrachez pas, vous autres. Garde à vous. Lâchez cette jeune fille. Qu'est-ce que c'est? C'est le piquet de garde, chef. On est venu avec les camarades. Qui garde le corps? On a appelé la relève, chef. Je t'avais dit de la renvoyer. Je t'avais dit de ne rien dire. On n'a rien dit, chef. Mais comme on a arrêté celle-là, on a pensé qu'il fallait qu'on vienne. Et cette fois, on n'a pas tiré au sort. On est venus tous les trois. Imbécile! Où t'ont-ils arrêté? Près du cadavre, chef. Qu'allais-tu faire près du cadavre de ton frère? Tu savais que j'avais interdit de l'approcher? Ce qu'elle faisait, chef, c'est pour ça qu'on vous l'amène. Elle grattait la terre avec ses mains. Elle était en train de le recouvrir, encore une fois. Sais-tu bien ce que t'es en train de dire, toi? Chef, vous pouvez demander aux autres. On avait dégagé le corps à mon retour. Mais avec le soleil qui chauffait, comme il commençait à sentir, on s'était mis sur une petite hauteur, pas loin, pour être dans le vent. On se disait qu'en plein jour, on ne risquait rien. Pourtant, pour être plus sûr, on avait décidé qu'il y en aurait toujours un de nous trois qui le regarderait. Mais à midi, en plein soleil, et puis avec l'odeur qui montait depuis que le vent était tombé, c'était comme un coup de massue. J'avais beau écarquiller les yeux, ça tremblait comme de la gélatine. Je ne voyais plus. Je vais au camarade lui demander une chic pour passer ça. Non, le temps que je me la cale à la joue, chef, le temps que je lui dise merci, je me retourne, elle était là à gratter avec ses mains. En plein jour, elle devait bien penser qu'on ne pouvait pas ne pas la voir. Et quand elle a vu que je lui courais dessus, vous croyez qu'elle s'est arrêtée, qu'elle a essayé de se sauver peut-être? Non. Elle continuait de toutes ses forces, aussi vite qu'elle pouvait, comme si elle ne me voyait pas arriver. Et quand je l'empoignais, elle se débattait comme une diablesse. Elle voulait continuer encore. Elle me criait de la laisser, que le corps n'était pas encore tout à fait recouvert. C'est vrai? Oui, c'est vrai. On a découvert le corps comme de juste, et on a passé la relève sans parler de rien.
Et on est venu vous l'amener, chef. Voilà. Et cette nuit, la première fois, c'était toi aussi? Oui, c'était moi. Avec une petite pelle de fer qui nous servait à faire des châteaux de sable sur la plage pendant les vacances. C'était justement la pelle de Polynis. Il avait gravé son nom au couteau sur le manche. C'est pour cela que je l'avais laissé près de lui. Mais ils l'ont prise. Alors la seconde fois, j'ai dû recommencer avec mes mains. On aurait dit une petite bête qui grattait. Même qu'au premier coup d'œil, avec l'air chaud qui tremblait, le camarade a dit « Bah non, c'est une bête. Penses-tu ?» Je lui dis « C'est trop fin pour une bête. C'est une fille. » C'est bien. On vous demandera peut-être un rapport tout à l'heure. Pour le moment, laissez-moi seul avec elle. Petit, conduis ces hommes à côté et qu'ils restent au secret jusqu'à ce que je revienne les voir. Faut-il lui mettre les menottes, chef ? Non. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un ? Non. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route ? Non, personne. Tu es bien sûr ? Oui. Alors écoute-moi bien. Tu vas rentrer chez toi te coucher. Dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi. Je ferai disparaître ces trois hommes. Pourquoi ? Puisque vous savez bien que je recommencerai. Pourquoi tu tentais d'enterrer ton frère ? Je le devais. Je l'avais interdit ! Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement, sans jamais trouver de repos. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Polynis, aujourd'hui, a achevé sa chasse. Il rentre à la maison, où mon père et ma mère et Théocle aussi l'attendent. Il a droit au repos. C'était un révolté, un traître. Tu le savais? C'était mon frère. Mais tu l'as entendu proclamer, les dieux au carrefour. Tu avais lu l'affiche sur tous les murs de la ville. Oui. Tu savais le sort qui était promis à celui, quel qu'il soit, qui oserait lui rendre les honneurs funèbres? Oui, je le savais. Ah, alors tu as peut-être cru que d'être la fille d'Édipe, la fille de l'orgueil d'Édipe, c'était assez pour être au-dessus de la loi. Non, je n'ai pas cru cela. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Si j'avais été une servante, en train de faire sa vaisselle, quand j'ai entendu lire Lady, j'aurais essuyé l'eau grasse de mes bras. Et je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. C'est pas vrai! Si tu avais été une servante, hein, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir. Et tu serais resté à pleurer ton frère, mais chez toi. Seulement tu as pensé que tu étais de race royale, ma nièce, la fiancée de mon fils, et que quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Vous vous trompez. J'étais certaine que vous me feriez mourir, au contraire. Voilà, 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 l'orgueil! L'orgueil d'Édipe, tu es l'orgueil d'Édipe. Ah, maintenant que je l'ai trouvé au fond de tes yeux, je te crois. Tu as dû penser que je te ferais mourir. Et cela paraissait un dénouement alors tout naturel pour toi, orgueilleuse. Pour ton père, non plus, je ne dis pas le bonheur, il n'en était pas question. Mais le malheur humain, c'était trop peu. Parce que l'humain vous gêne aux entournures dans la famille. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. Et tuer votre père, et coucher avec votre mère, et apprendre tout cela après mot par mot. Ah, quel breuvage, hein, les mots qui vous condamnent. Et comme on les boit goulûment lorsqu'on s'appelle Édipe ou Antigone. Et le plus simple après, hein, c'est encore de se crever les yeux et d'aller mendier avec ses enfants sur les routes. Eh bien non ! Ces temps sont révolus pour Thèbes. Thèbes a droit maintenant à un prince, sans histoire. Moi, je m'appelle seulement Créon. Dieu merci, j'ai mes deux pieds par terre, mes deux mains enfoncées dans mes poches.
Et puisque je suis roi, j'ai résolu, avec moins d'ambition que ton père, de m'employer tout simplement à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde, si c'est possible. Ce n'est même pas une aventure, c'est un métier. Un métier pour tous les jours. Ce n'est pas toujours drôle, comme tous les métiers. Mais puisque je suis là, hein, je suis là pour le faire. Alors que je vais le faire, écoute-moi, écoute-moi bien, tu es Antigone, tu es la fille d'Édipe, toi. Mais tu as 20 ans. Et il n'y a pas si longtemps, tout cela se serait réglé avec du pain sec, une paire de gifles. Te faire mourir? Tu ne t'es pas regardé, moineau. Tu es trop maigre. Tu vas rentrer chez toi tout de suite, faire ce que je t'ai dit. Te taire. Je me charge du silence des autres. Allez, va! Non! Ne me foudroie pas comme ça du regard. Hein? Tu me prends pour une brute, c'est entendu. Et tu dois penser que décidément, je suis bien prosaïque. Ah. Mais je t'aime. Je t'aime bien tout de même, hein? Malgré ton sale caractère. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée. Hein, il n'y a pas si longtemps. Antigone, c'est par cette porte qu'on regagne ta chambre. Où t'en vas-tu par là? Vous savez bien. Quel jeu joues-tu? Je ne joue pas. Je ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que ces trois brutes sait tout à l'heure ce que tu as tenté de faire, moi, je serai obligé de te faire mourir. Mais si tu te tais maintenant, si tu renonces à cette folie, j'ai une chance de te sauver, mais je ne l'aurai plus dans 5 minutes. Il faut que j'aille enterrer mon frère, que ces hommes ont découvert. Tu irais refaire ce geste absurde? Mais il y a une autre garde autour du corps de Polynice, et même si tu parviens à le recouvrir encore, on dégagera son cadavre, tu le sais bien. Que peux-tu donc si longtemps sanglanter encore les ongles? Te faire prendre? Rien d'autre que cela, je le sais. Mais cela, du moins, je peux. Et il faut faire ce que l'on peut. Tu y crois donc vraiment, toi, cet enterrement dans les règles, à cette ombre de ton frère, condamné à errer toujours, si on ne jette pas sur le cadavre un petit peu de terre, avec la formule du prêtre? Tu l'auras déjà entendu, toi, la réciter au prêtre de Thèbes, la formule? Tu as vu ces pauvres têtes d'employés fatigués, écourtant les gestes, avalant les mots, bâclant ce mort pour en prendre un autre avant le repas de midi? Oui, je les ai vus. Et tu n'as jamais pensé alors que si c'était un être que tu aimais vraiment, qui était là, couché, dans cette boîte, tu te mettrais à hurler tout d'un coup, à leur crier de se taire, de s'en aller. Si, je l'ai pensé. Mais tu risques la mort maintenant, parce que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire, ce bredouillage en série sur sa dépouille, cette pantomime dont tu aurais été la première à avoir honte et mal si on l'avait joué. C'est absurde! Oui, c'est absurde. Et pourquoi fais-tu ce geste alors? Pour les autres? Pour ceux qui y croient? Ou pour les dresser contre moi? Non! Ni pour les autres, ni pour ton frère? Pour qui alors? Pour personne. Pour moi. Ah, tu as donc tellement envie de mourir? C'est vrai. Tu as l'air d'un petit gibier, brille. Ne vous attendrissez pas trop sur moi. Faites comme moi, faites ce que vous avez à faire. Mais si vous êtes un être humain, faites-le vite. Voilà tout ce que je vous demande. Je n'aurai pas du courage éternellement, c'est vrai. Je veux te sauver, Antigone. Vous êtes le roi, vous pouvez tout, mais cela, vous ne le pouvez pas. Tu crois?
ni me sauver, ni me contraindre. Orgueilleuse, petite Édipe. Vous pouvez seulement me faire mourir. Et si je te fais torturer? Pourquoi? Pour que je pleure? Que je demande grâce? Que je jure tout ce qu'on voudra? Et que je recommence après, quand je n'aurai plus mal. Écoute-moi bien, hein. J'ai le mauvais rôle, c'est entendu, et tu as le bon. Et tu le sens. Mais j'en profite tout de même pas trop, hein, petite peste. Parce que si j'étais une bonne brute, ordinaire de tyran, il y a déjà longtemps qu'on t'aurait arraché la langue, tiré les membres aux tenailles, jeté dans un trou. Hein, tu vois quelque chose dans mes yeux, quelque chose qui hésite. Hein, tu vois que je te laisse parler au lieu d'appeler mes soldats. Alors tu nargues, tu attaques tant que tu peux, mais où veux-tu en venir à la fin, petite furie? Lâchez-moi, vous faites mal au bras avec votre main. Non, moi je suis le plus fort comme ça, alors j'en profite aussi. Aïe! C'est peut-être ce que je devrais faire après tout, hein? Tout simplement te tendre le poignet et te tirer les cheveux, comme on fait aux filles dans les jeux. Je suis ton oncle, c'est entendu, mais nous ne sommes pas tendres les uns pour les autres dans la famille. Ça ne te semble pas drôle tout de même, non? Ce roi bafoué, qui peut tout, ce vieil homme, qui t'écoute, et qui en a vécu d'autres, est aussi attendrissant que toi, je t'assure, et qui, hélas, donnait toute cette peine pour essayer de t'empêcher de mourir. Vous serrez trop maintenant. Cela ne me fait même plus mal. Je n'ai plus de bras. Dieu sait pourtant si j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Mais je vais tout de même perdre le temps qu'il faudra. Et te sauver, petite peste. Au lendemain d'une révolution ratée, il n'y a plus pas sur la planche, je t'assure. Mais les affaires urgentes attendront. Je ne veux pas te laisser mourir dans une histoire de politique. Tu vaux mieux que ça. Hein? Et parce que ton Polynice, cette ombre est pleurée. Et ce corps qui se décompose entre ses gardes, et tout ce pathétique qui est en flamme, tout cela, ce n'est qu'une histoire de politique. D'abord, je ne suis pas tendre, mais je suis délicat. J'aime ce qui est propre, net, bien lavé. Parce que tu crois que ça ne me dégoûte pas autant que toi, non? Cette viande qui pourrit au soleil. Mais il faut que tout est comme ça pendant quelque temps. Tu penses bien que j'aurais fait enterrer ton frère, ne fût que pour l'hygiène. Mais pour que les brutes que je gouverne comprennent, il faut que ça pue le cadavre de Polynice dans toute la ville pendant un mois. Vous êtes un dieu? Oui, mon petit... C'est le métier qu'il veut. Ce qu'on peut discuter, c'est s'il faut le faire ou ne pas le faire. Mais si on le fait, il faut le faire comme cela. Et pourquoi le faites-vous? Un matin, je me suis réveillé, roi de Thèbes. Et Dieu sait si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Il fallait dire non, alors. Ah, je le pouvais. Mais je me suis senti tout à coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête, j'ai dit oui. Eh bien, tant pis pour vous. Moi, je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi? Votre politique, vos nécessités, vos pauvres histoires. Moi, je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas. Et je suis seul juge. Et vous? Avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail. Vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Écoute-moi. Mais si je veux, moi, je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui. Je n'ai plus rien à apprendre de vous. Pas vous. Vous êtes là à boire mes paroles. Et si vous n'appelez pas vos gardes, c'est pour m'écouter jusqu'au bout. Tu m'amuses. Non. Je vous fais peur. Et c'est pour ça que vous essayez de me sauver.
Ça serait tout de même plus commode de garder une petite Antigone muette et vivante dans ce palais. Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran, voilà tout. Mais vous allez tout de même me faire tuer tout à l'heure, vous le savez. Et c'est pour cela que vous avez peur. C'est laid, un homme qui a peur. Oui, j'ai peur. J'ai peur d'être obligé de te faire tuer si tu t'obstines. Je ne le voudrais pas. Et moi, je ne suis pas obligée de faire ce que je ne voudrais pas. Vous n'auriez pas voulu non plus, peut-être, refuser une tombe à mon frère? Dites-le donc que vous ne l'auriez pas voulu. Je te l'ai déjà dit. Et vous l'avez fait, tout de même. Et maintenant, vous allez me faire tuer sans le vouloir. Et c'est cela, être roi. Oui, c'est cela. Pauvre Créon. Avec mes ongles cassés et pleins de terre. Et les bleus que tes gardes m'ont fait au bras. Avec ma peur qui me tord le ventre. Moi, je suis reine. Alors épousse-moi, vis. Le cadavre de ton frère qui pourrit sous mes fenêtres. C'est assez payé pour que l'ordre règne dans Thèbes. Mon fils t'aime. Alors ne m'oblige pas encore à payer avec toi. J'ai assez payé. Non, vous avez dit oui. Vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant. Mais va bien faire, bon Dieu! Essaye de me comprendre une minute! Toi aussi, petite idiote! Moi, j'ai bien essayé de te comprendre. Il faut pourtant bien qu'il y en ait qui disent oui! Il faut pourtant bien qu'il y en ait qui mènent la barque! Parce que ça prend l'eau! Ça prend l'eau de toutes parts! C'est plein de crimes, de bêtises, de misère. Non, mais enfin, mais... Est-ce que tu comprends cela? Je ne veux pas comprendre. C'est bon pour vous. Moi, je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour vous dire non. Et pour mourir. Ah, c'est facile de dire non. Pas toujours. Pour dire oui. Il faut suer. Retrousser ses manches. Empoigner la vie à pleine main sans mettre jusqu'au coude. C'est facile de dire non, même si on doit mourir. Il n'y a qu'à pas bouger et attendre. Attendre pour vivre. Attendre même pour qu'on vous tue. C'est trop lâche. Ça, c'est une invention des hommes. Tu imagines un monde où les arbres aussi auraient dit non, contre la sève. Où les bêtes auraient dit non, contre l'instinct de la chasse ou de l'amour. Parce que les bêtes, et le moins, elles sont bonnes, elles sont simples, elles sont dures. Quel rêve, hein, pour un roi des bêtes. Ce serait si simple. Ah, tu me méprises, n'est-ce pas? Ah, c'est drôle. Je l'ai souvent imaginé, ce dialogue avec un petit jeune homme. Si je n'aime pas, tu aurais essayé de me tuer. Et donc je ne pourrais rien tirer après que du mépris. Mais je ne pensais pas que ce serait avec toi et pour quelque chose d'aussi bête. Alors, écoute-moi tout de même pour la dernière fois. Mon rôle n'est pas bon, mais c'est mon rôle et je vais te faire tuer. Seulement avant, je voudrais que toi aussi tu sois bien sûr du tien. Parce que tu sais pourquoi tu vas mourir, Antigone. Tu sais au bas de quelle histoire sordide tu vas signer pour toujours ton petit nom sanglant? Quelle histoire? Celle des Théocles et de Polynice, celle de tes frères. Ah non, tu crois la savoir mais tu ne la sais pas parce que personne ne la sait dans Thèbes que moi. Mais il me semble que toi ce matin, tu as aussi le droit de l'apprendre. Et ce n'est pas bien beau, tu vas voir. Ah, que te rappelles-tu de tes frères d'abord? Deux compagnons de jeu qui te méprisaient sans doute, te cassaient tes poupées en se chuchotant éternellement des mystères à l'oreille l'un de l'autre pour te faire enrager. C'était des grands. Alors après, tu as dû les admirer avec leurs premières cigarettes, leurs premiers pantalons longs, et puis ils ont commencé à sortir le soir, hein, à sentir l'homme. Alors là, après, ils ne t'ont plus regardé du tout. J'étais une fille. Tu voyais bien pleurer ta mère, ton père se mettre en colère à leur retour. Tu entendais claquer les portes et leurs ricanements dans les couloirs. Et ils passaient devant toi, goguenards, veulent, ils sentaient le vin. Une fois,
Je m'étais cachée derrière une porte. C'était le matin. Nous venions nous lever et eux, ils rentraient. Polynice m'a vue. Il était pâle, les yeux brillants, et si beau dans son vêtement du soir. Il m'a dit, tiens, tu es là, toi. Et il m'a donné une grande fleur de papier qu'il avait rapportée de sa nuit. Ah. Et tu l'as conservée, n'est-ce pas, cette fleur? Et hier, avant de t'en aller, tu as ouvert ton tiroir, tu l'as regardée longtemps pour te donner du courage. Qui vous a dit ça? Ah, pauvre Antigone avec ta fleur de cotillon. Sais-tu qui était ton frère? Je savais que vous me diriez du mal de lui, en tout cas. Un petit fêtard imbécile. Un petit carnassier dur, sans âme. Une petite brute, juste pas d'aller plus vite que les autres avec ses voitures, à dépenser plus d'argent dans les bars. Tiens, une fois, j'étais là, ton père venait de lui refuser une grosse somme d'argent qu'il avait perdu au jeu. Il est devenu tout pâle. Il a levé son poing en criant un mot ignoble. C'est pas vrai! Son poing de brûle, t'as tout volé dans le visage de ton père. C'était pitoyable. Ton père était assis à sa table, la tête dans ses mains. Il saignait. Il saignait du nez et il pleurait. Et dans un coin du bureau, Pauline ricanant, qui allumait une cigarette. C'est pas vrai! Je ne te rappelle plus. Tu avais 12 ans. Vous ne l'avez pas revu pendant longtemps après. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. C'était après cette dispute. Ton père n'a pas voulu le faire juger. Alors il s'est engagé dans l'armée argienne. Et dès qu'il a été chez les Argiens, la chasse à l'homme a commencé contre ton père, contre ce vieil homme qui ne se décidait pas à mourir, à lâcher son royaume. Les attentats se succédaient et les Turcs que nous prenions finissaient toujours par avouer qu'ils avaient reçu de l'argent de lui, mais pas seulement de lui d'ailleurs. Car c'est cela que je veux que tu saches, les coulisses de ce drame où toi tu brûles de jouer un rôle, hein, la cuisine. Hier, j'ai fait faire des funérailles grandioses à Éthiopie. Éthiopie est un héros et un saint maintenant pour thème. Tout le peuple était là. Les enfants des écoles ont donné tous les sous de leur tirelire pour la couronne. Des vieillards, faussement émus, ont magnifié avec des trémolos dans la voix le bon frère, le fils d'Édipe, le prince royal. Moi aussi, j'ai fait un discours. Et tous les prêtres de Thèbes au grand complet avec la tête de circonstance. Et les honneurs militaires. Ah, il fallait bien. Je ne pouvais tout de même pas m'offrir une crapule dans les deux camps. Car je vais te dire quelque chose à toi, quelque chose que moi, je sais seul, quelque chose d'effroyable. Éthéocle, ce prix de vertu ne valait pas plus cher que Polynice. Le bon fils avait essayé lui aussi de faire assassiner son père. Le prince loyal avait décidé lui aussi de vendre Thèbes au plus offrant, hein? Crois-tu que c'est drôle? Cette trahison pour laquelle le camp de Polynice est en train de pourrir au soleil. Eh bien, j'ai la preuve maintenant. Éthéon, qui dort dans son tombeau de marbre, se préparait lui aussi à la commettre. C'est un hasard. Si Polynice a réussi son coup avant lui, nous avions affaire à deux larrons en foire qui se trompaient l'un l'autre en nous trompant et qui se sont égorgés l'un et l'autre, comme deux petits voyous qu'ils étaient pour un règlement de compte. Seulement, il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire un héros de l'un d'eux. Alors j'ai fait rechercher leurs cadavres au milieu des autres, et on les a retrouvés, embrassés. Embrassés, pour la première fois de leur vie sans doute. Ils s'étaient embrochés mutuellement, et puis la charge de la cavalerie argienne leur avait passé dessus.
Ils étaient en bouillie, Antigone, méconnaissables. J'ai fait ramasser un décor, le moins abîmé des deux, pour mes funérailles nationales, et j'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre où il était. Je ne sais plus lequel. Je t'assure, ça m'est bien égal. Pourquoi m'avez-vous raconté cela ? Valait-il mieux te laisser mourir dans cette pauvre histoire ? Peut-être. Moi, je croyais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je vais remonter dans ma chambre. Ne reste pas trop seul. Va voir Aymon ce matin. Marie-toi vite. Tu as toute ta vie devant toi. Écoute, notre discussion était bien oiseuse, je t'assure. Tu as ce trésor, toi, encore. Oui. Ah oui, et tu allais le gaspiller. Je te comprends. J'aurais fait comme toi, 20 ans. C'est pour ça que je buvais tes paroles. J'écoutais du fond du temps. Un petit créon maigre et pâle comme toi, qui ne pensait qu'à tout donner, lui aussi. Marie-toi vite, Antigone. Marie-toi vite, sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains. Ferme tes mains vite, retiens-la. Tu verras, ça deviendra quelque chose de... Une petite chose, dure et simple, qu'on grignote assis au soleil. Les autres te diront que ce n'est pas vrai parce qu'ils ont besoin de ta force, de ton élan. Alors ne les écoute pas. Ne m'écoute pas lorsque je ferai mon prochain discours devant le tombeau des théâtres parce que ce ne sera pas vrai. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Tu l'apprendras toi aussi, mais... Trop tard. La vie, c'est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds. C'est un outil qu'on tient bien dans sa main. C'est un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Tu vas me mépriser encore, mais tu verras. De découvrir cela, c'est... C'est la consolation dérisoire de vieillir. Parce que la vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Pauvre mot, hein. Et quel sera-t-il mon bonheur ? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle la petite Antigone ? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur ? Dites, à qui devra-t-elle mentir ? À qui sourire ? À qui se vendre ? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard ? Mais tu es folle ! Tais-toi ! Non, je ne me tairai pas ! Je veux savoir comment je m'y prendrai, moi aussi, pour être heureuse ! Et tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir, vous dites que c'est si beau la vie ! Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Tu aimes Aymon. Oui, j'aime Aymon.
J'aime un aimant dur et jeune. Un aimant exigeant et fidèle comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur doivent passer sur lui avec leur usure, si aimant ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne peut me croire morte quand je suis en retard de 5 minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il sache pourquoi, s'il doit devenir près de moi le monsieur aimant, s'il doit apprendre à dire oui lui aussi, alors je n'ai plus aimant. Tu ne sais plus ce que tu dis. Tais-toi. Oh, si je sais ce que je dis. Seulement c'est vous qui ne m'entendez plus. Je vous parle de trop loin maintenant. D'un royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rides, votre sagesse, votre ventre. Je ris, Créon. Parce que je te vois à 15 ans tout d'un coup. Et c'est le même air d'impuissance et de croire qu'on peut tout. La vie t'a seulement rajouté cette typie sur le visage et cette graisse autour de toi. Non, mais écoute, tu vas te taire à la fin. Mais pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison. Tu crois que je ne le vois pas dans tes yeux, que tu le sais. Tu sais que j'ai raison. Mais tu ne l'avoueras jamais parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment, comme un os. Oui, 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 le tien, et le mien. Imbécile. Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur. Avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour tous les jours, si on n'est pas trop exigeant. Mais moi, je veux tout. Et tout de suite. Et que ce soit entier, ou alors je refuse. Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter d'un petit morceau si j'ai été bien sage. Je veux être sûre de tout, aujourd'hui. Et que ce soit aussi beau que quand j'étais petite, ou mourir. Voilà, 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 tu commences. Commence comme ton père. Comme mon père. Comme mon père, oui. Nous sommes de ceux qui posent des questions jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus la plus petite chance d'espoir vivante. La plus petite chance d'espoir à étrangler. Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus quand ils le rencontrent, votre espoir. Votre cher espoir. Votre seul espoir. Tais-toi. Mais si tu voyais ta tête, si tu voyais ta tête en criant ces mots. Mais tu es laide. Et oui, je suis laide. C'est ignoble, n'est-ce pas? Ces cris, ces sursauts, ces actes de chiffonnier. Papa n'est devenu bon qu'après. Quand il a été bien sûr enfin qu'il avait tué son père, que c'était bien avec sa mère qu'il avait couché et que rien, plus rien ne pourrait le sauver. Alors il s'est calmé tout d'un coup. Il a eu comme un sourire et il est devenu beau, c'était fini. Il n'a plus qu'à fermer les yeux pour ne plus vous voir. À vos têtes. Vos pauvres têtes de candidats au bonheur. Mais c'est vous qui êtes laid. Même les plus beaux. Vous avez tous quelque chose de laid au coin de l'œil ou de la bouche. Tu l'as bien dit tout à l'heure, Créon, la cuisine. Vous avez des têtes de cuisinier. Je t'ordonne de te taire maintenant, j'entends. Tu m'ordonnes, cuisinier, mais tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? L'antichambre est pleine de mots. Tu veux donc te perdre? On va t'entendre. Eh bien, ouvre les portes, justement, il faut m'entendre. Mais pas Dieu. Tu vas te taire à la fin. Allons vite, cuisinier, appelle tes gardes. Qu'est-ce que tu veux, toi aussi, Antigone? Antigone, tu vois, je viens. J'ai du courage. J'irai maintenant avec toi. Où iras-tu avec moi? Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle!
tu meurs. Je ne veux pas rester ici sans toi. Tu as choisi la vie. Et moi, la mort, laisse-moi maintenant avec tes jérémiades. Il fallait y aller. À quatre pattes dans la nuit. Il fallait aller gratter la terre avec tes ongles pendant qu'ils étaient tout prêts. Et te faire empoigner par un comme une voleuse. J'irai demain. Tu l'entends, Créon. Elle aussi. Qui sait? Si cela ne va pas prendre encore à d'autres en m'écoutant. Mais qu'est-ce que tu attends pour me faire taire? Qu'est-ce que tu attends pour appeler tes gardes? Allons, Créon, un peu de courage! Ça n'est qu'un mauvais moment à passer! Allons vite, cuisinier, puisqu'il le faut! Garde! Emmenez-la! Enfin, Créon! Antigone! Antigone! Tu es fou, Créon, qu'as-tu fait? Il fallait qu'elle meure! Ne laisse pas mourir Antigone, Créon. Nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. C'est elle qui voulait mourir! Aucun de nous n'a été assez fort pour la décider à vivre! Je le comprends. Je le comprends maintenant. Antigone était faite pour être morte. Elle-même ne le savait peut-être pas, mais... Polynice n'était qu'un prétexte. Quand elle a dû y renoncer, elle a trouvé autre chose tout de suite. Ce qui comptait pour elle, c'était de refuser et de mourir. C'est une enfant, Créon. Et alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour elle? La condamner à vivre? Oublie-la! Oublie-la, Aimon, oublie-la, mon petit souffleur. Non! J'ai tout essayé pour la sauver, Aimon. J'ai tout essayé, mais je te le jure. Mais elle ne t'aime pas. Elle aurait pu vivre. Elle a préféré sa folie, la mort. Mon père, tu vois bien qu'il l'emmène. Père, ne laisse pas ce homme l'emmener. Non, mais elle a parlé maintenant. Tout qu'elle sait ce qu'elle a fait. Alors moi, je suis obligé de la faire mourir. Lâche-moi! On ne peut pas imaginer quelque chose, dire qu'elle est folle, l'enfermer. Non! Ils diront que ce n'est pas vrai, que je la sauve, parce qu'elle allait être la femme de mon fils. Je ne peux pas! On ne peut pas gagner du temps, la faire fuir demain. La foule sait déjà, elle hurle autour du palais. Je ne peux pas. Père, la foule n'est rien, tu es le maître. Je suis le maître avant la loi, mais plus après. Mais père, je suis ton fils. Tu ne peux pas me la laisser prendre. Si, mon petit. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés tous. Crois-tu que je pourrais vivre moi sans elle? Crois-tu que je n'accepterais votre vie? Et tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir sans elle? Et votre vie, votre agitation, votre bavardage sans elle? Il faudra bien que tu acceptes, Aimon. Parce que chacun de nous, un jour plus ou moins triste, plus ou moins lointain, oui, il faut enfin accepter d'être un homme. Alors pour toi, c'est aujourd'hui. Et te voilà là, avec ces larmes au bord de tes yeux. Ton cœur qui te fait mal. Mon petit garçon, pour la dernière fois. Quand tu te seras détourné, quand tu auras franchi ce seuil tout à l'heure, tout sera fini. C'est déjà fini. Ne me juge pas, Aimon. Ah non, pas toi. Ne me juge pas. Toi aussi. Cette grande force et ce courage. Ce Dieu Jean qui m'enlevait dans ses bras pour me sauver des monstres et des ombres, c'était toi. Cette odeur défendue et ce bon pain du soir sous la lampe. Quand tu me montrais des livres dans ton bureau, c'était toi, tu crois? Oui, Aimon. Tous ces soins, tout cet orgueil. Tous ces livres pleins de héros, c'était donc pour en arriver là. Être un homme, comme tu dis, être trop heureux de vivre. Oui, Aimon. Père, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous ne sommes pas tous les deux au pied de ce mur où il faut seulement dire oui. Tu es encore puissant, encore comme lorsque j'étais petit. Père, je t'en supplie, que je t'admire. Que je t'admire encore. Je suis trop seul et le monde est trop nu si je ne peux plus t'admirer. On est tout seul, Aimon. Le monde est nu.
Tu m'as admiré trop longtemps. Regarde-moi. Regarde-moi! C'est ça devenir un homme! Voir le visage de son père en face, une fois! Antigone! Antigone, au secours! Il est sorti comme un fou. Il l'aime. Créon, il faut faire quelque chose. Je ne peux plus rien. Il est parti touché à mort. Nous sommes tous touchés à mort. Chef, ils envahissent le palais. Créon, je ne veux plus voir leur visage. Je ne veux plus entendre leurs cris. Que ma mort maintenant soit assez. Fait que je ne vois plus personne jusqu'à ce que ça soit fini. Les gardes, au port, videz le palais. Toi, tu restes ici avec elle. Moi. Mon dernier visage d'homme. Faut croire. Je te regarde. Ça va? C'est toi qui m'as arrêté tout à l'heure. Oui, c'est moi. Tu m'as fait mal. Tu n'avais pas besoin de me faire mal. Est-ce que j'avais l'air de vouloir me sauver? Allez, allez, pas d'histoire. Si ce n'était pas vous, c'était moi qui y passais. Tu as quel âge? 39 ans. Tu as des enfants? Oui. Deux. Tu les aimes? Ça ne vous regarde pas. Il y a longtemps que vous êtes garde. Après la guerre, j'étais sergent. J'ai engagé. Il faut être sergent pour être garde? En principe, oui. Sergent ou avoir suivi le peloton spécial. Devenu garde, le sergent perd son grade. Un exemple. Je rencontre une recrue de l'armée. Elle peut ne pas me saluer. Ah oui? Oui. Remarquez que généralement elle le fait. La recrue sait que le garde est un gradé. Question solde, on a la solde ordinaire du garde, comme ceux du peloton spécial. Et pendant 6 mois, à titre de gratification, un rappel de supplément de la solde de sergent. Seulement, comme garde, on a d'autres avantages. Logement, chauffage, allocation. Finalement, le garde marié avec 2 enfants arrive à se faire plus que le sergent. Ah oui? Oui. C'est ce qui vous explique la rivalité entre le garde et le sergent. Vous avez peut-être pu remarquer que le sergent affecte de mépriser le garde. Leur grand argument, c'est l'avancement. D'un sens, c'est juste. L'avancement du garde est plus lent et plus difficile que dans l'armée. Mais vous ne devez pas oublier qu'un brigadier des gardes, c'est autre chose qu'un sergent-chef. Écoute. Oui. Je vais mourir tout à l'heure. D'un autre côté, on a plus de considération pour le garde que pour le sergent. Le garde, c'est un soldat, mais c'est presque un fonctionnaire. Tu crois qu'on a mal pour mourir? Je ne peux pas vous dire. Pendant la guerre, ceux qui étaient touchés au ventre, oh, ils avaient mal. Moi, je n'ai pas été blessé. D'un sens, ça m'a nuit pour l'avancement. Comment vont-ils me faire mourir? Je ne sais pas.
Je crois que j'ai entendu dire que pour ne pas souiller la ville de votre sang, ils allaient vous murer dans un trou. Vivante ? Ah oui, d'abord. Oh, tombeau. Oh, lit nuptial. Oh, ma demeure souterraine. Toute seule. Aux cavernes de Hadès. Aux portes de la ville. En plein soleil. Une drôle de corvée encore pour ceux qui seront de faction. Il avait d'abord été question d'y mettre l'armée, mais aux dernières nouvelles, il paraît que c'est encore la garde qui fournira les piquets. Elle a bon dos, la garde. Étonnez-vous après ça qu'il existe une jalousie entre le garde et le sergent ? Deux bêtes. Quoi, deux bêtes ? Des bêtes se serrer l'une contre l'autre pour se faire chaud. Je suis toute seule. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est différent, je peux appeler. Non. Je voudrais juste que tu remettes une lettre à quelqu'un quand je serai morte. Comment ça, une lettre ? Une lettre que j'écrirai. Oh, ça n'a pas d'histoire, une lettre, comme vous y allez, vous. Je risquerai gros, moi, ce petit jeu-là. Je te donnerai cet anneau si tu acceptes. C'est de l'or ? Oui, c'est de l'or. Vous comprenez, moi, si on me fouille, c'est le conseil de guerre. Ça vous est égal. Ce que je peux, si vous voulez, c'est écrire sur mon carnet ce que vous auriez voulu dire. Après, j'arracherai la page. Mon écriture, c'est pas pareil. Ton écriture ? C'est trop laid, tout cela. Tout est trop laid. Vous savez, si vous ne voulez pas, moi... Si ! Garde la bague et écris, mais fais vite, j'ai peur que nous n'ayons plus le temps. Écris. Mon chéri. Ah, c'est pour votre bon ami. Mon chéri. J'ai voulu mourir. Et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Et Créon avait raison. C'est terrible. Maintenant, à côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur. Et Créon avait raison. Oh non, notre petit garçon. Je le comprends seulement maintenant combien c'était simple de vivre. Dites, vous allez trop vite, comment voulez-vous que j'écrive ? Il faut le temps tout de même. Où en étais-tu ? C'est terrible maintenant à côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs. Je ne sais plus pourquoi je meurs. On ne sait jamais pourquoi on meurt. J'ai peur. Non. Raye tout cela. Il vaut mieux que jamais personne ne le sache. C'est comme si il devait me voir nue et me toucher quand je serais morte. Mais seulement... Pardon. Alors je raye la faim et je mets pardon à la place. Oui. Pardon, mon chéri. Sans la petite Antigone. Vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. C'est tout ? Oui, c'est tout. C'est une drôle de lettre. Oui, c'est une drôle de lettre. Et c'est à qui qu'elle est adressée ? Allez. Pas d'histoire.
Là, c'est fini pour Antigone. Maintenant, le tour de Créon approche. Il va falloir qu'ils y passent tous. La reine ! Où est la reine ? Que lui veux-tu ? Qu'as-tu à lui apprendre ? Une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Créon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes qui sortent sous l'un du tombeau. Chacun se tait écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Créon. Et lui qui a deviné le premier, lui qui sait, déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou. Enlevez les pierres ! Enlevez les pierres ! Les esclaves se jettent sur les blocs entassés, et parmi eux, le roi Suant, dont les mains saignent. Les pierres bougent enfin, et le plumage se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond de la tombe, pendue au fil de sa ceinture. Des fils bleus, des fils verts, des fils rouges, qui lui font comme un collier d'enfant. Et aimant à genoux, qui la tient dans ses bras, et gémit, le visage enfoui dans sa robe. On bouge un bloc encore et Créon peut enfin descendre. On voit ses cheveux gris dans l'ombre au fond du trou. Il essaie de relever Aimon. Il le supplie. Aimon ne l'entend pas. Puis soudain, elle se dresse. Les yeux noirs. Et il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Il regarde son père. Sans rien dire. Une minute. Et tout à coup, il lui crache au visage et tire son épée. Créon bondit hors de portée. Alors il le regarde avec ses yeux d'enfant, lourds de mépris. Et Créon ne peut éviter ce regard. Comme la lame. Aimon regarde ce vieil homme tremblant à l'autre bout de la caverne. Et sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre et il s'éteint à côté d'Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. Je les ai fait coucher l'un près de l'autre. Enfin. Ils sont lavés maintenant. Reposés. Ils sont seulement un peu pâles. Mais si calmes. Deux amants. Au lendemain de la première nuit. Ils ont fini. Pas toi, Créon, il te reste encore quelque chose à apprendre. Eurydice, la reine, ta femme, est passée dans sa chambre. Sa chambre à l'odeur de lavande, aux petits napperons brodés et aux cadres de peluche, pour s'y couper la gorge. Elle est étendue maintenant sur un des petits lits jumeaux démodés, à la même place où tu l'as reçue, jeune fille, un soir, et avec le même sourire, à peine un peu plus triste. Et s'il n'y avait pas cette large tache rouge sur les linges autour de son cou,
On pourrait croire qu'elle dort. Elle aussi. Ils dorment tous. C'est bien. La journée a été rude. Ça doit être bon de dormir. Oui, mais tu es tout seul maintenant, Créon. Oui, tout seul. Monsieur. Je vais te dire à toi. Ils ne savent pas les autres. On est là, devant l'ouvrage. On peut tout de même pas se croiser les bras. Ils disent que c'est une sale besogne, mais si on la fait pas, qui la fera? Je ne sais pas, monsieur. Ah ben, bien sûr, tu ne sais pas, monsieur. Tu en as de la chance. Ce qu'il faudrait, c'est ne jamais savoir. Il te tarde d'être grand, toi. Oh oui, monsieur. Mais tu es fou, petit. Il faudrait ne jamais devenir grand. Cinq heures. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à 5 heures? Conseil, monsieur. Un conseil? Eh bien, puisque nous avons conseil, petit, nous allons y aller. Et voilà, sans la petite Antigone, c'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles. Mais maintenant, c'est fini. Ils sont tout de même tranquilles. Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Ceux qui croyaient une chose, et puis ceux qui croyaient le contraire, et même ceux qui ne croyaient rien, et qui se sont trouvés pris dans l'histoire sans y rien comprendre. Morts, pareil, tous, bien raides, bien inutiles, bien pourris. Et ceux qui vivent encore vont commencer tout doucement à les oublier et à confondre leurs noms. C'est fini. Antigone. Calmez maintenant. Nous ne saurons jamais de quelle fièvre son devoir lui est remis. Un grand apaisement triste tombe sur Thèbes et sur le palais vide où Créon va commencer à attendre la mort. Il ne reste plus que les gardes. Eux, ça leur est égal.
c'est pas leurs oignons. Ils continuent à jouer.